Ah tiens, ah bah, tu tombes à pic toi. Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors on est reparti en Russie sur Battlefield 1 avec le DLC russe, hein, la map Lukopas, et on va jouer au SMLE MK3 de Laurence d'Arabie, où vous voyez le nouveau personnage sniper féminin, donc c'est pas mal. Donc il y a déjà du monde là. Bon déjà j'ai fait deux hitmarkers pour commencer. Deux hitmarkers. Encore hitmarker. Encore hitmarker. Ah non, j'allais dire encore, non, non. Bah je vais faire que ça ou quoi? Bon, je m'en vais. J'ai fait que du hitmarker. Il est beau quand même son fusil, il est beau. Et attends, je m'occupe... Je peux pas m'occuper des deux en même temps. Voilà, chacun votre tour s'il vous plaît. Faut prendre un ticket. Alors lui, il a pris son hitmarker. Oh, il a pris son headshot même. Alors ça fait longtemps que j'avais envie de proposer un gameplay comme ça au Sniper Mir. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de choix d'armes disponibles sur le CTE. Donc j'ai dit, tiens, ce SMLE, il est vraiment classe. Et on va capturer les points. Vous voyez au-dessus, c'est le train qui va passer. Le behemoth, il passe au-dessus. Alors ça tire d'où? Non, nulle part. Oh, oui. Lui, je lui ai mis un petit hit. C'est dur à suivre les... C'est très dur à la mire. Oh, c'est beau, les petites rivières et tout. Petit cours d'eau sympathique. Elle est très très belle, cette map. En plus, elle est vallonnée et tout. Il faut faire attention en haut, en bas. Il y a moyen de se cacher un petit peu partout. C'est ça qui est vraiment cool. Tiens, lui... Là, on est en hauteur, on est bien. Oh! C'est bien, il bouge pas. 8 marqueurs. Oh. Non, il est pas mort. Et on va essayer avec ça, alors. Oh, bah, il est mort quand même. Ah, on est bien placé, là. Oh, c'est dur à cette distance. C'est vraiment très difficile. Là-bas, j'en vois... Je l'ai touché, mais bon, pour le finir, faut que quelqu'un le finisse. Ouais, pareil. Ah, il y a du hit. Il y a déjà du monde. Ah, mais si tout le monde pique les kills, ça va pas aller. Et en bas, j'avais mis un, j'en avais un qui a pris un hitmarker en bas. Bon, je sais pas où il est passé. C'est pas évident. J'ai pris encore hitmarker, je vais faire que ça de toute façon. Ah non, là c'est cool. Bon, apparemment ils sont là ici, au-dessus. On va spotter un petit peu. Et on va avancer tranquillement. Ça sert à rien d'être bourrin avec l'arme qu'on a. Oh, je pensais le toucher lui, mais non. Hey, il était à le rocher ou? Oh bah non. Il m'envoie valser lui. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'ils sont là-haut? Je pense qu'il y a du monde là-haut. On va spotter pour les alliés. Puis pour nous aussi. Okay. Vraiment des endroits pour se faire petit. Faut pas courir en plein milieu ici. Alors il y en a un dedans. Oh! Il est où l'autre qui me chauffait là? Il serait parti à l'étage. Alors, est-ce qu'il va monter celui-là? Tiens. Voilà. J'ai cru que j'allais mourir, mais je vais mourir par un autre. Allez, je suis parti en classe cavalier, là. Tu vois, là. On se soigne.
Il est où? Voilà. Prends du soin et tout et tout. Voilà, il y en avait un autre. Non, 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 ils sont trop. Pourquoi je tire tout à côté? Pourquoi je tire tout à côté? Ok, lui c'est fait. M'énerve les chevaux là. Tiens, tiens encore. Non, reviens. Eh, hey, il a posé son dada. On va le rusher. On va faire ça. Mince. Et on peut pas sprinter là? On peut pas sprinter, c'est pas normal. T'as 96 de hit quand même. Je vais essayer de le cramer pour finir. Ok, le headshot. Non, non, non. Ok. Dommage, dommage. Je vais me faire revive normalement. De toute façon, ça arrive de partout là. Ok, ça hit. Il y en a d'autres, hein. Là. Putain, on hit pas mal. Oh, je l'ai cramé. Oh, ça, c'est cool. Ils sont où? Ils sont pas mal, là. Ils sont pas mal nombreux. Oh, du hit. Ça hit beaucoup de trop, je trouve. Je glisse. Je suis tombé où? Oh, je suis tombé bien bas. Est-ce qu'on peut grimper? Ok, lui. Ah ouais, mais est-ce qu'il y a son collègue derrière? Ok, vengeance. Oh, les dadas, on entend des dadas de partout. Alors, si je tire dans le rocher, ça va pas le faire du tout. Pourquoi il y a autant de morts alliés ici? Ok. Bon bah ça se passe bien pour nous. Par contre il y a du monde sur le point. Ok, lui il est malade et puis moi je suis mort. Comme ça c'est réglé. Donc ils sont tous sur le point central, le point D apparemment. Ah c'est... pas facile. Il y a du monde là. Allez. L'homme de la forêt là-bas. Voilà. Ensuite, ça se termine tranquillement. Alors, c'est très exigeant de jouer à la mire quand même. C'est surtout ici. Hein. C'est vraiment bien, mais là, faut quand même lunettes ici. Bon, lui, il tourne autour. Oh, les musiques de fin, c'est quand même quelque chose. Il y en a un là-haut. Allez, 10 tickets, là. 10 tickets. Est-ce qu'on peut faire un dernier petit kill en haut? Ou alors mourir, hein, parce que des fois, souvent, à la fin, je meurs. C'est souvent le cas. Donc, voilà. Ah, cette map, elle est vraiment géniale. Géniale à jouer. Par contre, c'est quand même assez difficile de jouer à la mire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais franchement, c'est un vrai plaisir. Donc le SM et le MK3, je voulais vraiment vous faire une vidéo à la mire, donc celui-ci de Laurence d'Arabie. Donc on va voir le tableau des scores. Donc le tableau des scores ici, 40-10 tout pile, voilà un petit ratio de 4. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao, bye.